Merci pour cette invitation. Donc, je vais effectivement assez rapidement revenir sur le premier chapitre de l'ouvrage qui revient sur ce moment très singulier, donc entre le, on va dire entre le 10 et le 17 mars, durant lesquels donc est prise la décision de confiner le pays, en essayant effectivement de comprendre comment on en arrive à ce moment, comment on arrive à cette situation, et en essayant de dépasser un peu les discours habituels ou les récits officiels que l'on peut entendre sur cette séquence pour essayer de, au contraire de jeter un regard un peu plus nuancé, un peu plus distancié aussi sur cette phrase, cette phase, pardon. Et donc cette phrase, puisque effectivement, on commence effectivement par cette phrase de Jean-François Delfraissy qui déclare effectivement que le confinement, moment où il a été décidé, n'était pas la meilleure solution, mais c'était la seule solution possible à l'époque. Donc il y a l'idée maintenant qu'il n'y avait pas le choix, qu'on ne pouvait pas faire autrement que, étant donné la situation, donc dans les hôpitaux et la vitesse de circulation du virus, il fallait absolument prendre une mesure forte et que le confinement était la seule mesure. Alors effectivement, Patrick l'a dit, hein, cette décision, cette mesure, elle est surprenante à plusieurs égards, à commencer par le fait que bah, justement c'est quelque chose qui n'avait jamais été anticipé, ni planifié, ni étudié, ni prévu. Et donc, par rapport à tout un appareillage de mesures de santé publique destinées à gérer une crise comme celle-ci, une pandémie comme celle-ci, on se retrouve avec finalement une solution totalement inédite qui donc va être prise dans l'urgence et qui en même temps va soulever assez peu finalement assez peu de questions de débats. Et aujourd'hui encore, il y a une sorte d'acceptation qu'effectivement on ne pouvait pas faire autrement. Et ce récit, effectivement, ben, cette proposition, elle repose effectivement sur ce qu'on montre dans le livre, sur une vision d'un acteur rationnel, c'est-à-dire que les experts et le président de la République, réunis le 12 mars, devant les données à leur disposition, devant les informations dont ils disposent, devant leur capacité effectivement à comparer les différentes options à leur disposition, à en mesurer les conséquences, à en peser le pour et le contre, prennent ce qui apparaît comme étant la seule solution possible, à savoir le confinement. Donc il y a une vision à la fois d'un modèle d'acteur rationnel, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont pesé le pour et le contre, ils ont comparé les différentes options et ils ont pris la solution qui semblait la meilleure. Puis par ailleurs, s'ajoute à ce récit un récit un peu une vision un peu héroïque du décideur, donc en l'occurrence à la fois Emmanuel Macron, mais aussi d'une certaine manière le président du Conseil scientifique qui, voilà, dans une situation d'urgence, sont en capacité de prendre la meilleure décision pour sauver le système hospitalier. Le problème, c'est que cette explication, ce récit, qu'on tend effectivement encore à voir aujourd'hui se diffuser dans différents lieux, différents organes, laisse dans l'ombre pas mal de questions, à savoir d'abord pourquoi effectivement n'a-t-on pas accordé plus d'attention aux signaux d'alerte à partir du mois de janvier. Comment expliquer finalement aussi entre janvier et février jusqu'à tout début mars, finalement, les autorités françaises et aussi une bonne partie des experts se sont montrés finalement assez confiants à la fois quant à la faible gravité du virus, mais aussi à leur capacité à pouvoir faire face avec les dispositifs à leur disposition et à commencer par les hôpitaux. Comment aussi expliquer que finalement bah, cette décision a été prise, a été échelonnée finalement en plusieurs jours, c'est-à-dire qu'elle est clairement prise le 12 mars, mais elle va vraiment être annoncée que le 16 mars, donc après une première décision de fermer les écoles, puis une seconde de fermer les bars et les cafés. Donc qu'est-ce qui explique cet échelonnement alors même qu'il y a urgence? Et puis donc finalement comment en arrive-t-on à prendre cette décision totalement inédite? Slide suivante, s'il te plaît. Est-ce que je peux moi? Ah, je dois pouvoir moi aussi. D'accord, attends. Ouais, donc je contrôle, d'accord. Pardon, excusez-moi. Donc d'abord, effectivement, alors très vite, on a très vite entendu un certain nombre de théories ou d'hypothèses sur cette décision qui faisait appel soit à la théorie des biais cognitifs. Donc là, je renvoie notamment à un webinaire qui a été très, très, très suivi d'Olivier Cibony, dans lequel il développait un certain nombre d'hypothèses en termes de biais cognitifs pour expliquer pourquoi les experts s'étaient trompés et pourquoi effectivement ils avaient été amenés à sous-estimer l'ampleur du virus, la nature du virus et puis le degré de préparation. Des explications aussi par la faute morale, c'est-à-dire que finalement les participants à cette décision auraient eu à minimiser l'ampleur du risque et au regard des conséquences que ça pouvait avoir pour tel secteur économique ou en raison d'intérêts, de conflits d'intérêts. Je passe très vite là-dessus parce que c'est pas assez, dans le livre on donne des détails de plus, mais c'est pas le plus important ici.
La difficulté, c'est effectivement, c'est que ce sont des explications qui tendent à individualiser les défaillances, à estimer que ce sont des individus qui ont commis des erreurs ou qui, à un moment donné, n'ont pas pris les bonnes décisions, qui aussi tend à faire fi du fait que quand même cette décision de confinement a eu des conséquences économiques lourdes. Donc on peut pas à la fois expliquer que des intérêts économiques puissants ont retardé la décision et puis finalement expliquer comment une décision comme celle-ci a pu être prise avec ses nombreuses répercussions. Et puis bon, voilà, des biais qui seraient universels mais qui oublient complètement la dimension du contexte d'action ou dans le cadre dans lequel le contexte dans lequel s'inscrit cette décision. Donc ce qui nous semblait, nous, intéressant, au contraire, c'était de faire appel à des explications organisationnelles, en s'appuyant notamment sur une littérature importante qui a porté sur différentes crises. Alors, la crise des missiles de Cuba, auquel on se réfère beaucoup dans l'ouvrage, parce que l'ouvrage de Graham Allison est un ouvrage vraiment fondateur en sociologie de la décision et montre effectivement, propose différentes approches pour penser la décision en situation d'urgence. Et il nous a semblé effectivement extrêmement utile pour éclairer ce qui s'était passé au mois de mars, mais aussi les travaux sur le sida, la canicule de 2003 ou la tempête de 90. J'y reviendrai. Donc, ce qui nous a semblé, enfin, la thèse forte qu'on voudrait effectivement qu'on développe dans l'ouvrage, c'est que c'est pas tant qu'il y a eu un phénomène de déni de la part des autorités ou des experts qui auraient sous-estimé finalement l'ampleur du danger ou qui auraient nié même l'existence d'un danger quelconque, mais plutôt le sentiment qu'ils étaient finalement préparés, que nous disposions à la fois des masques et des tests, mais que nous disposions aussi des capacités hospitalières, que nous disposions des outils de gestion de crise, bref, que tout était en place pour pouvoir effectivement faire face à une pandémie et que donc on pouvait effectivement attendre sereinement que ce soit arrivé sur le sol français. Et pour expliquer effectivement ce phénomène de déni qui va conduire donc à ce qu'on appelle une panique des élites, et je reviendrai un peu plus loin sur ce qu'on entend par là, effectivement on montre qu'il y a différents mécanismes qui vont interagir et qui vont conduire à cette situation. Premier mécanisme, c'est le phénomène de dérive organisationnelle, en anglais c'est organizational drift, un peu plus imagé en anglais, conçu par Diane Vaughan. Donc Diane Vaughan est une sociologue américaine célèbre qui a travaillé notamment sur l'accident de Challenger, qui a produit un ouvrage tout à fait remarquable qui montre effectivement comment l'accident de la navette Challenger 86 s'explique par tout un ensemble de petites dérives progressives qui avaient conduit notamment à accepter de légers dysfonctionnements, notamment dans les fameux joints qui, le jour du décollage, n'ont pas rempli leur fonction à cause du grand froid et donc ont conduit à l'explosion de la navette. Donc elle montre effectivement comment progressivement ces petites défaillances, ces petits problèmes, ces phénomènes sortant de la norme, dans la mesure où ils ne conduisaient pas forcément à des catastrophes ou à des accidents ou à des incidents graves, effectivement, étaient progressivement à la fois intériorisés, acceptés et puis conduisaient les différents participants du programme de la NASA à accorder moins attention à ces phénomènes et donc à accorder moins attention aux risques qu'ils pouvaient faire peser sur le décollage. Donc là, effectivement, on a un phénomène un peu similaire qui a été abondamment décrit dans la presse par ailleurs, s'agissant notamment des masques. Dans l'ouvrage, effectivement, on reprend les masques, mais aussi d'autres exemples pour montrer comment, effectivement, à partir de 2011, on a une progressive démobilisation de face au risque pandémique. On va effectivement, donc d'abord, il y a toute l'histoire des masques, on pourra revenir si vous voulez dans la discussion, qui va progressivement effectivement conduire à déléguer les gens des masques à différentes organisations publiques et privées, conduisant du coup le ministère à ne plus avoir de vision d'ensemble et à penser que tout le monde disposait de suffisamment de masques, mais sans être assuré qu'effectivement c'était le cas. On a le désarmement de l'EPRUS, donc qui va être intégré dans Santé publique France et qui va de facto conduire là aussi à réduire les ressources accordées à la gestion des situations d'urgence sanitaire. On a aussi, surtout, effectivement, on le montre bien, ça a été abondamment dit aussi dans la presse, hein, on a effectivement là aussi des mauvaises leçons tirées de l'épisode de H1N1 en 2009 où le gouvernement a été accusé d'avoir surréagi, donc d'avoir acheté trop de vaccins, d'avoir commis ce qu'on appelle une erreur de type 1 face à un risque qui finalement s'est avéré relativement minime. Et donc il y a la préoccupation effectivement de ne pas reproduire la même erreur qui va jouer très fortement dans l'esprit des pouvoirs publics. Et puis donc il y a aussi, ça on le voit bien, merci Léo pour l'établissement de préparation des réponses sur sanitaire. Donc, et puis enfin, le fait que durant cette période, le risque terroriste va progressivement prendre le dessus sur le risque pandémique et va être l'objet de beaucoup plus d'attention et d'investissement que le risque pandémique.
Deuxième explication complémentaire, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que François de Dieu avait appelé le risque scélérat. Donc, François de Dieu, un des co-auteurs de l'ouvrage, a fait sa thèse sur la tempête de 99 et a montré, justement, une partie de la thèse cherche à comprendre pourquoi Météo France, en particulier, avait sous-estimé l'ampleur de la tempête qui s'est abattue sur la France en décembre 1999. Et il montre effectivement comment on est face à un risque scélérat, c'est-à-dire finalement un phénomène connu, reconnu, qu'on a l'habitude effectivement de voir tous les ans à cette époque-là, qui généralement ne donne pas lieu à des effets majeurs, et que donc auquel on ne va pas accorder trop d'attention parce qu'effectivement on estime voilà, qu'on est en terrain familier. Donc là, effectivement, on voit que c'est un peu la même chose avec la pandémie actuelle, c'est-à-dire que eh bien, lorsque les premiers signaux apparaissent en décembre-janvier, beaucoup d'experts disent oui, mais bon, tous les ans, on a des alertes. Alors, c'est MERS-CoV, c'est Ebola, ça a été H1N1, ça sera, on a des alertes qui ne donnent pas forcément lieu à des épidémies ou à des pandémies très, très graves, qui donc relèvent de ce phénomène relativement familier. Donc, effectivement, on va activer dès le mois de janvier au ministère de la Santé le CORUS, et donc la cellule de crise hein, qui vont être activées. Mais je dirais à la fois quand même un peu comme une activation de routine, et aussi l'occasion d'un petit peu de s'entraîner, mais sans forcément s'inquiéter outre mesure, d'autant plus que, on le rappelle dans l'ouvrage, les trois premiers clusters qui ont été identifiés en France, donc contaminés en Bretagne et après Montpellier, ont été tous les trois maîtrisés. Donc, ce qui donne l'impression que finalement, ce virus n'est pas très dangereux et qu'on arrivera sans difficulté à le maîtriser. Et donc, on va avoir jusqu'à. Et là, on continue à travailler un petit peu là-dessus actuellement pour essayer de bien comprendre un peu le moment où vont basculer les perceptions du danger. Mais jusqu'à fin février, au moins, on a quand même une croyance largement répandue parmi beaucoup d'experts que eh bien, ce virus, non seulement n'est pas très grave, mais qu'en outre, on est largement en mesure de le gérer. Et la situation va commencer à basculer fin février, début mars, quand un certain nombre d'infectiologues français et de réanimateurs français vont en discuter avec leurs collègues italiens qui, eux, se prennent une vague, pour reprendre cette métaphore relativement dure, et qui s'étonnent que leurs collègues français ne soient pas en train de se préparer à l'arrivée en France de cette même vague. Et donc là, on va avoir effectivement un basculement qui va, à la fois basculement dans le niveau d'alerte des experts français, mais aussi niveau des basculements dans le fait qu'un certain nombre d'établissements vont être touchés par l'arrivée de patients, en grand nombre, ce qui va donc les alerter. Alors, un élément aussi important dans ce cas-là, qu'on rappelle, c'est que le peu d'attention accordée aussi à cette menace peut s'expliquer par le fait que l'agenda politique à l'époque est très chargé et que notamment le gouvernement est soucieux de faire passer aussi vite que possible la réforme des retraites. Je rappelle que le dernier Conseil des ministres avant le confinement, qui devait être consacré essentiellement aux mesures à prendre pour la pandémie, va en réalité va servir à accorder au gouvernement le droit d'utiliser l'article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites au Parlement. Donc un agenda politique chargé avec la réforme des retraites, mais aussi l'élection municipale, donc ce qui va effectivement laisser peu de place sur cet agenda politique à une crise, ou en tout cas une situation critique qui se décide, mais qu'on estime encore, un, gérable, et deux, qu'on pense avoir le temps de prendre la mesure. Ce qui conduit donc à ce qu'on appelle la panique des élites. Donc là, on reprend une notion utilisée, qui était conçue par deux collègues américains, donc Lee Clark et Sharon Chess, qui justement utilisent cette notion pour bien montrer que dans les phénomènes de crise, on a souvent tendance à penser la réaction des populations comme étant prompte à la panique. Donc les populations seraient émotives, peu promptes à la raison, se livrant à des décisions, à des comportements totalement irresponsables, irressionnels, et que donc le devoir des pouvoirs publics et de contrôler le comportement des populations et d'éviter qu'elles paniquent. Et donc il y a cette obsession permanente des pouvoirs publics. Il faut surtout éviter que les populations paniquent. Or, la recherche a montré depuis longtemps que les populations ne paniquent pas en situation de crise, ou c'est très très rare en tout cas. Et en revanche, ce que montrent Clark et Chess dans leur article, c'est que ben, si panique il y a, elle est plus souvent du côté des élites qui, justement, face à une situation qui, leur semble-t-il, leur échappe à leur contrôle, à leur compréhension, à leur capacité d'agir, va les conduire à paniquer. Et c'est bien ça, effectivement, qui va se jouer dans le cas français. En tout cas, c'est notre hypothèse, à savoir que le 5 mars, le président va réunir donc une trentaine d'experts pour commencer à essayer de faire le point sur cette situation. Et à ce moment-là encore, les estimations de l'Imperial College, donc de Neil Ferguson, sont vues par un certain nombre d'experts avec, bon, c'était une méfiance, disant oui, mais tous les ans, il nous fait le coup.
voilà, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter outre mesure. Et le 10 mars, donc, Jean-François Delfrécy va obtenir, va insister beaucoup auprès d'Emmanuel Macron pour créer ce conseil scientifique, qui va donc créer le 10 mars, avec une partie des experts qui étaient présents le 5 mars. Et c'est le 12 mars, donc, que vont se réunir à la fois le conseil scientifique, Emmanuel Macron, Édouard Philippe et un certain nombre de ministres, pour faire état pour prendre la mesure des situations. Et c'est là, effectivement, où vont se croiser à la fois les modèles élaborés à la fois par Imperial College, mais aussi par l'Institut Pasteur, avec les données qui remontent des hôpitaux, notamment des hôpitaux parisiens, qui sont en plus assez bien représentés au sein des conseils scientifiques, on pourra y revenir, qui donc va, effectivement, accorder beaucoup plus de crédit au modèle qui était présenté au départ, en montrant qu'effectivement, les hôpitaux parisiens sont déjà totalement débordés par des patients en situation très, très critique. Donc, il y a vraiment là, pour le coup, un phénomène de panique, et c'est dans ce moment de panique que va être proposée la solution du confinement comme étant la seule manière, effectivement, de protéger les hôpitaux, puisque le cadrage qui va être fait de cette crise qui s'annonce est un cadrage non seulement médical, mais hospitalo-centré, au sens où on va définir effectivement la crise comme étant d'abord une crise qui menace les hôpitaux, et il faut à tout prix protéger les hôpitaux. Donc, le confinement, pour terminer, le confinement, effectivement, il se comprend si on reconstitue un petit peu cette série d'événements, et si effectivement on le voit à la lumière de trois types de facteurs, à la fois organisationnels, qui vont conduire à la fois à sous-estimer l'ampleur de la menace et surtout à penser qu'on est prêt, qui vont ensuite conduire, on pourrait y revenir dans des discussions, à ne pas activer ni le plan pandémie grippale, ni la CIC, donc la cellule interministérielle de crise, donc à ne pas s'appuyer sur les organisations existantes pour gérer des crises, qui va aussi conduire à créer un conseil scientifique qui, comme l'a dit Patrick, est totalement déconnecté, en tout cas au départ, des institutions de la santé en France, des institutions de santé publique en France. Donc, il y a effectivement tous ces éléments qui vont conduire effectivement à rendre possible cette décision. Ensuite, un cadrage cognitif, une dimension cognitive, et ça, je vais l'évoquer, c'est le fait qu'on va d'emblée définir la crise comme étant une crise non seulement sanitaire, mais plus spécifiquement encore médicale et encore plus spécifiquement hospitalière, et donc centrer effectivement le regard sur l'hôpital qu'il s'agit à tout prix de protéger contre un tsunami qui risquerait de l'emporter, et avec lui, tout le système de santé. Et dans ce cadrage cognitif, ce qui est important aussi de rappeler, c'est que l'on va volontairement, je dirais, écarter la question des conséquences. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences du confinement, on ne les connaît pas. Comme je l'ai dit, ça n'a jamais été étudié, ça n'a jamais été vraiment testé comme dispositif. Donc, on ne sait pas quelles seront les conséquences. On se doute qu'il y aura des conséquences, mais on prend le parti de considérer que ces conséquences ne pèsent pas lourd, ne suffisent pas à empêcher une décision qui, elle, présente un bénéfice immédiat, qui est de sauver les hôpitaux. Et puis, des conditions politiques qui tiennent à la fois au fait que il y a un fort phénomène de mimétisme, c'est-à-dire quand Emmanuel Macron prend sa décision, il la prend aussi vis-à-vis, non seulement vis-à-vis de l'opinion publique française et de ses concitoyens, mais aussi vis-à-vis d'autres pays qui sont eux-mêmes touchés de plein fouet par cette pandémie, qui doivent prendre des mesures, qui ont commencé à prendre des mesures, et donc il veut montrer effectivement que lui aussi s'aligne sur ses décisions fortes en prenant le confinement. Mais un confinement qui est, comme vous le savez, très particulier. D'abord, il est relativement dur par rapport à ce qui s'est pratiqué dans d'autres pays, et puis surtout, il est généralisé. Donc là, il y a un élément politique fort aussi, qui est l'impossibilité à ce moment-là de prendre une décision qui aurait été différenciée territorialement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, même s'il n'y a que trois régions en France qui, à ce moment-là, sont très touchées durement, la décision est prise d'appliquer la décision à l'ensemble du pays, parce que, au nom du principe républicain d'égalité de tous, on ne peut pas imaginer une décision qui serait centrée uniquement sur certains territoires et pas sur d'autres. Et c'est vraiment, donc je terminerai là-dessus, c'est vraiment ce confinement qui va faire entrer la France en crise, puisque cette décision, non seulement elle est relativement brutale dans son énoncé, elle s'appuie très vite, elle n'a pas été anticipée, elle n'a pas été préparée, par les services de l'État en particulier, et puis surtout, elle va plonger l'ensemble des acteurs de toutes les organisations possibles et imaginables dans une situation qui est à la fois incertaine, complexe et dynamique. Et donc, c'est à ce moment-là, effectivement, que l'on va véritablement entrer en crise à partir du confinement. Et je passe la parole à Henri Bergeron pour la seconde partie.